C'est la fin de la septième année. Cette année a passé vraiment vite. Et vous vous souvenez du début de cette année? Oui, bien sûr. Oui, c'était notre séjour linguistique à Brest. Oui. Non? Comment avez-vous trouvé? Oui, pour moi, c'était vraiment une expérience inoubliable. Je suis sûre que je resterai en contact avec ma famille d'accueil. Et je partage tout la vie parce que pour moi, cet échange est l'échange le plus inégalable de notre carrière sur l'air. Oui, et on a vraiment appris la vie quotidienne des personnes françaises. Oui, et les bretons. Oui, et la culture, les traditions, la cuisine. La cuisine, c'est délicieux, oui. Oui. Et en parlant à nos familles d'accueil, on a aussi appris beaucoup comment il faut vraiment parler français avec le docteur Martif. Même si, à fois, ils ont parlé très vite, c'était facile de les comprendre parce qu'ils ont expliqué tout les choses. Pour moi, personnellement, ils m'ont aidé toujours si j'avais des problèmes à les comprendre ou à vraiment savoir ce qu'il faut faire. Oui, ils essaient toujours de nous intégrer dans la vie quotidienne et pour ça, nous pouvons parler plus couramment le français après le séjour. Oui, ça c'est sûr. Et après, nous avons aussi fait beaucoup de choses à l'école. Oui, mais l'école c'était très différente si on regarde aussi notre école ici à Linz. Parce qu'à l'école, on a toujours parlé, on a toujours fait des exercices de communication. Est-ce que vous êtes d'accord? Mm-hmm. Oui, et on a aussi fait des excursions. Par exemple, on a visité des îles. Oui, oui, les îles sont très bons. Elles sont très calmes aussi. La mer et les vagues, elles sont pour moi, c'est merveilleux. Et oui, le paysage, c'est simplement pittoresque. Je n'aime que pas me souvenir d'autres choses comme ça. Oui. On a aussi s'est amusé avec ses amis, ses collègues de classe et on a vraiment profité de l'atmosphère, de l'ambiance, du paysage. Oui, ça c'est sûr. Et en général, qu'est-ce que vous pensez de ce genre linguistique? Je pense que c'est une très efficace façon de plonger dans une autre langue pour un certain temps parce qu'on est entouré par la langue tout le temps. Qu'est-ce que penses-tu? Oui, et on peut vraiment améliorer ses connaissances d'une langue. Oui. On peut apprendre mieux une langue qu'on est, comme tu as dit, entouré par la langue. Oui. Tout le temps. Et sans doute, on devient aussi plus autonome. Oui. Je me souviens aussi d'une expérience dans laquelle je me suis perdue dans la rue de Brest. J'ai dû trouver la maison de ma famille d'accueil moi-même. Et pour moi, c'était vraiment une question de devenir plus mûre et plus sûre de moi-même. Et je pense aussi qu'à ce jour, élargir des horizons parce qu'on rencontre beaucoup de personnes différentes, de différentes cultures et on est sensibilisé à des autres coutumes aussi. Oui. Et on connaît de nouveaux amis et on reste en contact avec la famille d'accueil. Est-ce que vous restez en contact avec votre famille d'accueil? Oui, je suis toujours en contact avec eux. Ils m'écrivent des emails, ils m'écrivent. Oh, c'est très... Oui, très par exemple, à Noël, des cartes. Oui, c'est vraiment... Alors, si quelqu'un me demanderait si je conseillerais d'aller de partir en voyage linguistique, je dirais oui. Oui. C'est quelque chose pour moi. Oui, c'est une très bonne façon de gagner de la confiance en soi-même. Oui, et gagner des expériences aussi. Oui. Non pas seulement pour les connaissances linguistiques, mais aussi pour son caractère, oui, et la personnalité. Mm-hmm. Oui.